on l'avait OD pour ma première, pardon, session de RP, dans le stress et l'allégresse. J'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'on entendra un temps de jeu. Je découvre avec vous complètement. Du coup, c'est parti. Par contre, les bateaux, c'est clairement chelou. Alors oui, cette vision est incroyable. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais les bateaux sont complètement superposés. On n'a rien vu. Elle dit en bas, faut pas cacher. On sait pas. Sur les autres serveurs, je crois que non, c'est pas caché. Sur les autres serveurs, sur les autres... stream, je regarde vite fait un... Ah, c'est caché, j'avoue. Ben, sur d'autres, c'est pas caché. Est-ce qu'il faut que je le cache quand même? Leak, ben non, 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 c'est pas caché. Je l'avais vu ça, même sur les autres serveurs. Voilà, si vous voulez, je le cacherai si ça vous pète le RP. En tout cas, là, c'est moi que je vais cacher. Tac, tac. Et c'est parti. Je me suis choisi une petite démarche coquette. Alors, voici Denise. Denise Duval. Alors on dirait pas mal ridée, hein, mais c'est pas facile de montrer. J'ai mis pas mal de rides. Mais je lui ai mis un chapeau, elle est assez élégante, mais elle a pas de chaussures. On va devoir régler ça tout de suite. Au revoir Love TV, bonjour Denise, exactement. J'ai oublié de me mettre des chaussures. Les sons ambiants sont très 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 forts. Désolée, je pète encore un petit peu le RP tant qu'on peut, tant qu'il y a personne. Je vais baisser un tout petit peu, je pense. Les sons ambiants. Je peux pas mettre de musique parce qu'on en a une en arrière-plan. Et qu'il y en a, je pense, de toute façon pas sur le serve. Voilà. Vous me dites si ça va. Mon ventre gronde par contre, j'ai faim. J'espère qu'il y aura des gens dans cette ville. On lui a taxé ses chaussures, exactement, elle s'est endormie sur un banc, on lui a taxé ses chaussures. Denise a faim. Alors, il y a des saloons et tout ça ici, on dirait. Je vais y aller. J'ai bien bu. Bon. Bonjour messieurs. Elle est complètement déserte cette ville. J'arrive à un bon moment. Non, c'est pas une demande du serveur de mettre ça, mais je trouve ça mieux de que vous ne voyez pas la map. Je vais voir ici. Bonjour, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bonjour, messieurs. Très bien. Merci beaucoup pour le ragoût, j'avais fort faim. J'ai dû m'asseoir, j'y arrive pas. Pas grave, on va manger debout, c'est bien aussi de manger debout.
contre, je suis pas censée, excusez-moi, je suis pas censée voir en bas ma faim et ma soif. Bon, je sais pas, on verra. Je connais qui a eu de la moque par cœur, c'est vrai? Merci beaucoup, Dernier. Bon, alors je me trouve des chaussures. Ah, j'ai marché dans le dos. Quand je suis arrivée en... et que j'ai préparé mon perso en HRP, les seuls pas que j'ai fait dehors, j'ai croisé des gens qui m'entendaient pas. Là, j'aimerais beaucoup savoir s'ils m'entendent. Une bière bâchée. Mince, c'est pas ici. J'avais vu une boutique de vêtements. Je pense que c'est là. Alors, j'ai choisi les terres à Blackwater parce que... aucune raison. Pardon. Oh, d'ailleurs. Bonjour. Et bien, tu es sûr? Voilà, c'est comme ça qu'on voyait le perso. Du coup, je pensais qu'il avait deux bases des chaussures. Comment je peux descendre la caméra? Je vois où est le problème. Il semblerait qu'il soit par là. Bien sûr. Mes chaussures. But! Il me faut des grolles. Où est le prix des chaussures? Parce que bon. Moi, je veux bien prendre les premières godasses à partir du moment où elles sont pas trop chères. Hein? Un vert. Avec botte. Merci beaucoup. Ah oui. Mes pieds, ils font du bruit maintenant. Vachement mieux. Voilà. Non, mais sur ce serve, normalement, pour répondre à ce que tu dis à Fernandes, normalement, je suis censée avoir effectivement en bas à droite. Je l'ai vu tout à l'heure, la faim et la soif, mais là, je la voyais pas. Je sais pas. On découvre. Alors, faut que je m'achète d'autres choses. Faut que Denis s'achète d'autres choses. Hein. Désolé, bon, au départ, j'avais cassé un peu le RP, mais bon. Oh, il y a des gens. Ouh là là, il y a des gens. Il y a des gens. Dans les options ? Je peux me mettre. Je peux m'asseoir, tiens. J'y arrive. Ah. Voilà. Asseyons-nous pour checker les options.
Affichage. Non mais elles y étaient tout à l'heure, peut-être qu'elles vont réapparaître après. On va voir. Coucou Morgane. C'est mon premier pas, c'est très stressant. Si t'as besoin de tips, je pourrais t'en donner, j'ai appris plein de choses. Oh, joli cheval. Voici Denise. La bonne vieille Denise. Bon, lève-toi donc Denise. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Allez-vous? Bah, très bien, très bien. Je viens à peine d'arriver là, je m'installais pour admirer un petit peu cette ville. Ah, alors vous y plaisez? Disons que je suis là depuis environ 25 minutes, mais très très joli. Ah, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, ça fait peu. Ça fait peu. C'est difficile de se rendre compte, disons. Attendez, excusez mon frère. Oh, pas de soucis, pas de soucis. Faites donc, à votre aide. Je coupe la musique, je coupe la musique. Je sais pas comment me lever. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vite, t'as failli me tuer. Je t'ai dit quoi? Bien le bonsoir à vous. Bonsoir. Pardon? Ah oui, j'espère que c'est pas bien contagieux, j'ai pas une santé très fiable en ce moment. Moi j'ai la peste. Ah, m'excuserai si je m'éloigne un petit peu. Non, je rigole, c'est la tuberculose. Ah, mais quel coquin. Je sais, on me le dit souvent. Du coup, Billy, pourquoi on est venu voir la dame là? Bah parce que je suis charmante, évidemment. Toi, j'ai bonne... Je le comprends, je le comprends. Je m'imagine en train de boire une tisane là. Ah. Mon dieu! Quel malotru! C'est pour vous voir de plus près. Ah, je comprends. Effectivement, on cherche toujours ce genre d'excuses pour m'atteindre. Je suis en train de m'imaginer en train de boire une tisane avec du miel pour soigner cette. Un petit grog, ça sera plus efficace. Vous voulez prendre mon fer pour époux? J'ai arrêté les époux pour le moment, mais on pourra discuter de ça plus tard. Est-ce que vous avez un terrain dans une ville ou. Ce serait un projet, hein. Ah bah ce compte-là, le jour où vous avez un terrain, si vous voulez, on peut se marier comme ça, et ben, on peut se partager des terres et tout ça. Je vois ça, je vois ça. Vous savez parler aux femmes, monsieur. Ouais, c'est indéniable. Oh, on sait bien. Dis-moi, vous avez quel âge? Ouais, vous avez quel âge? 56 ans, mon bon. Et toi, petit genou? On va y aller. Bah quoi? Faut pas avoir peur des... Faut pas avoir peur des vieilles casseroles. Non mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ah tout à fait, tout à fait, les bouillons plus ils cuisent mieux c'est hein. C'est clair hein, mais disons que je viens de me faire agresser là en pleine rue, je me sens pas très bien là, j'ai arrêté tout le temps. Ah mais oui, puis le choléra, plus les autres maladies. Non c'est pas le choléra, c'est la tuberculose. Excusez-nous à cette famille. Oh, vous entendrez bah cher ami. Voilà. Cette famille hein. C'est vrai qu'il parle très bas depuis qu'il est tout petit, on dirait un peu, je sais pas, il a une maladie je pense, ce sang. La maladie du je parle très bas. Les cordes vocales très, très basses. Messieurs, dames. Bonsoir. Alors, on en reparlera, madame, vous traînez à Blackwater souvent? Je viens d'arriver ici en effet, donc pour le moment ça va être un petit peu mon pied à terre, semblerait-il. Bah donnez-moi votre nom, que vous ouvrirez un télégramme pour la cérémonie. Ah très bien, Denise Duval. C'est parfait. Denise Duval, très bien, c'est noté. En un seul mot, Duval. Et vous donc, les genoux? Les frères Potis. Vous dites Potis? Exactement, P-O-T-I-S. Très bien, frère Potis. Eh ben, j'oublierai pas de jeunes guerres comme vous. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. J'ai pas comment... Bon, oui. Excusez-moi, messieurs, dames, est-ce que je peux vous poser une petite question? Mm-hmm. Est-ce que vous connaîtriez l'armurier de Blackwater? Alors, on l'a rencontré vaguement, on a un peu discuté avec, mais sans plus. Ça me dérange pas que les jeunes hommes tournent le dos. Toujours plus sympa. N'est pas là. Est-ce que vous auriez son nom par hasard, voir si je peux lui envoyer un télégramme? Moi, je me relève. Ça va plus du tout, désolé. Bah non, il nous l'avait donné, mais... Bah, on oublie vite. Ok. Je crois que c'est la madame derrière. Ah, madame Duval, s'il vous plaît. Un peu de retenue. Oui, pas de tenue.
Et du coup, non, pas désolé. Ok, pas de soucis. Bah, je vous remercie et je vous souhaite une bien bonne soirée. Bonne soirée. Oula. Bonne soirée. Madame Duval, enfin. Madame Duval, dis donc. Excusez-moi, c'est mes fuites de tout à l'heure. Ah oui, d'accord. C'est pas possible, là, faut arrêter les cuisses de grenouille, hein. Vous avez de mieux en mieux parlé aux femmes, Nilan. Non, mais écoute, je pourrais parler de votre teint vermeil, de votre chapeau coloré et Dieu de feu, hein. Non, merci, ouais. Merci. Ouais, je l'ai réservé à mon frère. C'est celui l'amour de ma vie. Mais c'est vrai, c'est vrai. Votre frère est l'amour de votre vie. Hein ? Chez moi, ça se faisait, remarque. Non, non, mais je veux dire, c'est pour perpétuer l'héritage. Ouais, voilà. Comment ça se passe ? Comment vous faites juste tous les deux, du coup ? Ça m'en fait rien du tout. Bah justement, on a pour besoin perpétuer un héritage. Justement, on a besoin d'une job féminine. Adieu, bonne soirée. C'est voilà, bon. Toi, tu m'enverras plus jamais de télégramme de ta vie. Voilà. Je te bloque par la poste. Merci bien. Je dirai au postier que dès que tu sors mon nom, je ne veux rien. Je vais te signaler. Pas grave. Tu dis aller à la poste. Ouais, exactement. Je vais te signaler à la poste comme quoi t'es un barbare, d'accord ? T'es un truand, t'es un voleur, t'es un braqueur. Qui m'a étranglé, qui me doit 3$ encore. Tu te souviens pas, t'as trébuché. Non, j'ai pas trébuché, j'ai des vagues souvenirs de toi et ton parfum macabre là qui est en train de me faire alors, un câlin. Comme tu l'as dit tout à l'heure, t'avais des souvenirs quand on était enfant. Hein. Donc c'était quand on était enfant. Ah bah, là, je t'avais bien dérouillé la gueule. Non, vous étiez enfant il y a 2 semaines, vu votre âge. Pardon, alors attendez, là, si tu l'insultes. Oh mais non, bien sûr que non, c'est bien d'être un genou, enfin, faut en profiter. Mon dos il répond même plus. Ah vous préférez les genoux vous ? Non, je préfère rien du tout pour le moment, je me méfie. Ah vous avez bien raison. Bah de nous, sauf hein. De nous. Sauf de nous, bien sûr. Ah oui, bien sûr, je vois ça. C'est un travail très honorable. Vous travaillez dans quoi ? On est marchand, chasseur. Attends. Marchand, chasseur. Exactement. Oui, marchand, chasseur, c'est ça. Ça sonne bien. Marchand, chasseur, sans s'acheter sa proie. Ferme-la. Ça dépend du gibier qu'on ramène. Et vous, marchand, chassez quoi ? On chasse le bison, le cerf, le grizzly. La trahison, les hommes, ça dépend. Mmh. Ouais, elle rapporte plus ces belles bêtes, mais sont compliquées à attraper parfois. Il parle beaucoup. C'est vrai. Il y a le problème. Mais si jamais un bougin un jour vous manque de respect, vous pourrez nous appeler. Ah, tout à fait. Ravi. J'espère que vous avez noté notre nom dans un petit parpaing. Et Potis, tout à fait. Très bien, bah Madame Duval, on va vous laisser. Hein. Noté. Merci bien. Je pose un petit instant, j'admire, et puis je vais sûrement aller faire quelques emplettes. Oh, faites. Et vous avez une idée de ce que vous voulez faire comme métier ? Mon père étant pêcheur, j'ai bon espoir de mettre à profit son savoir-faire. Ah, c'est intéressant tout ça. Ouais, vous pourrez explorer les propriétés de plantes médicinales qui viennent d'arriver dans la région. Ça m'intéresse, en effet. Bah écoutez, vous allez dire Rosie Duval, hein, c'est ça ? Non, Denise. Ah, j'ai mal avec Rosa Dixon. Ok. Rosa Dixon, mais qu'est-ce donc ? Une dame. Une femme bien plus jeune que vous. Oui, c'est vrai. Verte. Enfin, verte. Mûre. Enfin, non. Non, bah non. Vous vous mettez d'accord, les petits loups. Oui, plus fanée, vous, mais. Pas fanée. Non, pas fané, genre. Vous m'avez compris, quoi. Oui, je vois tout à fait une petite fleur séchée, quoi, délicate, qu'on poserait sur sa cheminée, histoire que ça sente bon, quoi. Exactement. Une rose éternelle. Ouais. Voilà, hein. Mais vraiment éternelle, là. Très, très éternelle. Ouais. On va arrêter cette conversation, peut-être maintenant, non ? Ouais, bah écoutez. Le jour où vous aurez besoin de faire de l'argent et puis que vous en avez marre de pêcher. Pourrait le dire. Merci beaucoup, messieurs. Ce fut un plaisir. Étrange plaisir, mais plaisir tout de même. Bah, nous de même. Plaisir partagé, exactement. Toi, tu me dois toujours 3$. Allez. Bonne soirée, Mme Duval. Au plaisir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Si tu mets 3$, je te tue. J'ai toujours pas me lever. Attendez, j'ai le tape 2 secondes. Putain. Frère Potis, vous notez ? J'ai pas prévu de quoi noter. Oh là là, fait chier. J'en ai pris plein la gueule déjà. Ah, c'est un peu ce que j'espérais avec un personnage fané. Alors, attendez, je regarde vite fait. Je sais pas me lever. Attendez, je vais dire E, F, G, espace, 1,
1, clic droit, clic gauche, avancer. Je arrive pas. Les potis, merci. Je comprends pas les... J'arrive pas à me relever. À l'aide. Non. Attendez, je vais faire voilà, retour. Parce que là, forcément, quand je fais ça, des fois, ça fait des touches. Action. 1. Non, pas du tout. Attendez. Compliqué là. Alors. Pointer du doigt, machin, lever le doigt, menu. Ah, menu job. Faudrait que je fasse ça. Inventaire, carte, nanana. Premier ticket, comment je me lève de ce putain de banc, please? Bon. Je vais s'appuyer sur espace parce que c'était espace pour me lever. Je vais s'appuyer sur entrée parce que c'était entrée pour me lever. F. E. Point d'interrogation ? Je fais ça. F4 ? F4 c'est A. Attends. Oh ! Je sais pas comment j'ai fait mais bon, ça a marché hein. Je sais pas comment ça a marché. Non, on va le refaire parce qu'il faut que je sache, il faut que je sache, il faut que je sache. Je veux s'asseoir. Ah, voilà. Bah juste madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous voyez quelque chose sur mon épaule ? Tout à fait, il semblerait que vous soyez armé, cher monsieur. Il y a un fusil, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, ok. C'était juste pour savoir. Vous l'avez oublié, ça m'arrive aussi. Non. Il y a un fusil. Ouais, mais on a du mal à... Putain. Oula ! Qu'est-ce que c'était ? Un braquage, peut-être. Merde, faut que je parte vite. Clique molette, on avait dit quoi ? F4 ? Voilà. Ouais, faut que je fasse fini scénario. Bon. J'ai trouvé comment me lever. C'est bizarre. Faut que j'aille effectivement que je fasse une roue des actions et tout ça. Bon, je vais m'éloigner si ça commence à... Je suis trop novice dans le RP pour commencer à faire des bêtises. Mais on va aller voir un petit peu ce que c'est là-bas, tiens. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'ai entendu un coup de feu, vous savez d'où ça vient ? Ah ouais, ça vient du saloon, petite erreur de... Rien de grave. Ah. Il jouait avec son arme et le coup est parti, voilà. C'est pas la première fois, faut faire attention, on peut perdre un œil comme ça, ou autre chose. Tant que c'est qu'un œil. Non, y'a pas de soucis, on est sur le coup madame, faites attention à vous hein. Eh bien bah oui, j'osais pas m'approcher. Non mais y'a pas de soucis. Ah, c'est tout pour rien de grave, monsieur. Ah bah ça va alors. Oui, tu vois. Juste pour terminer notre conversation. Ah oui, donc, bon, je m'en vais visiter, moi.
Il y avait un moustique. Non, mais c'est mignon ici, regardez, petite terrasse et tout, c'est sympa ça. Oh, pas un moustique là, on entendrait un truc, il faisait au moins 2 kilos. Oh, regardez donc la belle bâtisse là-bas. Peut-être éviter de parler toute seule. C'était faire censé, non pas encore, j'ai croisé des mecs qui m'ont dit que j'étais une fleur fanée. Et qu'ils se réservaient entre frères. Ça c'est... Est-ce qu'ici je peux trouver des petites choses? Non, c'est fermé. En même temps, il fait nuit. Non, j'ai pas trouvé de shérif, donc je me ferai recenser quand j'aurai trouvé un shérif. C'est quoi ça? Joshua Tanner. Ah bah on va voir si je peux acheter des choses ici. Il manque votre licence. Ah oui, bah je... Oui. Bien normal ça. Là-bas c'est pour les chevaux. Faut que je trouve, des vendeurs. Peut-être bien là-bas. Regardez qu'il n'y a pas de chevaux qui passent. Toujours regarder avant de traverser. C'est important. Ça peut être bien ça. Ah bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez donc là? Oula. Non. Ah. Pas d'objet. Mince, je sais pas comment revenir en arrière, c'est un peu chiant. Comme ça? Oui, comme ça. Acheter les objets du commerçant. Canne à pêche. 6$. Écoutez, hein, on va déjà en prendre une, hein. Il va bien falloir qu'on se mette au travail un jour ou l'autre. Des apports. 2 cents. Voilà. Bon, il me faudra un couteau. Mais j'en vois pas. Au pire, j'irai demander aux deux loustiques, là. Ça m'a l'air d'être des sacrés gaillards, mais bon. Un banc, attention. Mes pires ennemis. Objet du commerçant, du coup, il n'y a pas de couteau. Ce sera peut-être l'armurerie. Hein. Bon. Carnet de notes. D'ailleurs, j'ai pas de quoi noter. Je vais faire un petit alt-tab. Je vais mettre un petit bloc-notes à côté. Frère Potis. Bloc-notes. Frère Potis. Blackwater. Il faudrait que j'ai un truc à main. À main. Et quand on sera un peu isolé, on fera peut-être les touches. Plus tard. Parce que bah, je suis en QWERTY là et je comprends pas trop pourquoi. Mon jeu n'est pas en QWERTY. Marmite peut-être pour cuisiner. Oh non, mais c'est très cher. Ration de voyage. Oh, je vais peut-être en acheter quelques-unes au cas où. Et une gourde aussi. Ah oh, oui, je vais m'acheter une gourde. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bon, très bien, et vous? J'ai à peine d'arriver. Ça va bien, ça va bien. Vous avez besoin de quelque chose en particulier? Je regardais un petit peu ce que le marchand, le petit gars avait ici, là. Oui. Il me faudrait un petit couteau, mais je ne saurais pas où me le fournir. Il me faut une armurerie pour ça? Oui, c'est ça, l'armurerie. Alors, vous allez trouver les jumelles, les couteaux, le torche et tout ça, c'est chez l'armurier.
Fantastique. Moi, je peux vous fournir la canne à pêche, les... Eh ben, j'en ai pris une. Tout ce qui va avec. Eh ben, super, vous avez les appâts, je sais pas si vous avez vu. J'en ai pris une petite quinzaine pour tester déjà un petit peu vos appâts, bah, et oui, puis j'en viendrai en prendre s'il s'avère bien. Oui. Bah ici, c'est moins cher que chez les petits monsieur qui est au bord des routes. Ah, ouais. Oui, je m'en doute. Bah non, voilà. Mais de toute façon, c'est voilà, le petit voilà. Coin où je vais poser mes valises, alors je reviendrai vous voir, ça c'est sûr. D'accord, d'accord. Et puis, bah, il y a un marchand de poissons qui est sur le marché, si jamais j'ai besoin. Ah. Et si jamais vous les revendez, il y a aussi, oui. Sur la carte, il y a un petit hameçon, là. Vous pouvez revendre aussi ici. Ah, très bien, le petit hameçon, bah super. Merci beaucoup, oui, c'est un bon, oui. C'est un bon spot, très voilà, bien. Voilà. Eh ben merci, oui, monsieur, oui, vous êtes donc moi, je suis Johnny Red, je suis le Johnny Red de l'établissement ici. Très bien. Ouais. Eh bien, je retiendrai ce nom, Johnny Red, très bien. Moi, c'est Denise Duval, bah, je viens à peine d'arriver. Eh ben enchanté, Denise. Eh ben merci. Madame Duval, plutôt, je vous appelle toujours. Comme vous voulez, vous savez. En... Ah oui. On va pas faire de manière. Oui, on fait pas de manière. Eh ben, je vous aime bien, vous en tout cas. Bonne soirée, ma petite dame. Merci beaucoup, merci pour l'aide. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Eh ben, de rien. N'hésitez pas, si vous avez besoin, je suis souvent par ici. Très bien, eh ben, je repasserai alors. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne pêche. Et merci. Il faut que je vienne, ce monsieur, j'aime beaucoup. Alors, bon, bah, ce sera par là, alors. Et oui, parce qu'il faut se fournir. J'aime bien. Faut se fournir effectivement en. Ça va, Connie. En. Tu mets même pas la maximale, je mets la moitié seulement. Ouais, mais bon, il y a quand même eu un coup de feu en ville et un blessé. Hein. Donc voilà, mais voilà, comme je vous disais, ça reste un coup accidentel et. Oh, mais c'est là. Oh! Très bien, très bien. Bonjour. Alors, c'est l'infirmerie. Je vais prendre un petit bandage. Je vais en prendre un. Parce que bon, ma vieille carcasse, on sait pas comment elle va tenir. Hein. Les acteurs flambants, les accents fleurbons la campagne. Exactement. Ah, c'est bon, c'est les bons gars, ça. C'est voilà. Johnny, comment déjà? Johnny Red. Alors. Johnny Red tient le magasin général de Black Hatter. N'hésitez pas à réécrire hein, les noms. De Black Hatter. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes pas médecin? Non, non, pas du tout. Je venais juste me prendre un petit bandage. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Eh bien, je m'en vais d'ailleurs. Ah, enchanté. Non, non, non. C'était pas un médecin. Est-ce que vous avez sonné ou pas du tout? Non, non, on venait juste d'arriver devant le cabinet. Okay, bon, alors. Ah oui, il cherche un médecin. Il y a un peu pénurie de médecins. Par contre, je crois que l'armurerie est derrière. Je vais y aller. Johnny Red, merci. Un bandage pour la peau qui restait collé au banc tout à l'heure. Eh, ça va, c'est pas facile. Hein. J'ai dû faire 3 touches pour sortir de ce putain de banc. Ok? Maintenant, je serai, je vais m'asseoir par terre. Ah là là, c'est trop rigolo en tout cas. J'ai envie de se... Rien que là, hein, cette toute petite ville, alors que je m'étais dit « Oh, je vais vite parcourir la campagne, sur les routes, machin. » Rien qu'ici, il y a déjà tellement de choses à faire et de gens à voir. Il y a des déserts médicaux dans Red Dead aussi, oui. Tout à fait, tout à fait. En vrai, c'est pas peut-être pas un truc qui me déplairait, mais... C'est pas du tout envisagé pour autant. Et puis, bah c'est pas tout de suite, hein. Ah non, c'est pas ça du tout. Bah mince alors, où que c'est dit non? Ah, ici non. Là à côté. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un restaurant. Gunsmith. C'est ça? On y va.
Entrez. Bonjour, bonjour. Mm-hmm. Alors, non. Faut que je fasse avec les flèches, sinon je fais n'importe quoi. Arc de chasse, machette, balle de sniper, ouf, punaise. Pistolet, lasso. Ah, lasso, ça, il m'en faut un. Il me faut aussi des jumelles. Et il me faut un coutal. Peut-être que si je vais dans d'autres menus. Armurerie, munitions, hachée. Peut-être dans armurerie, couteau. Voilà. Et... jumelles. J'ai pas trouvé de jumelles. On a peut-être eu. On a peut-être plus. On en trouvera peut-être ailleurs. C'est moins le truc important. D'accord, hein, moins que ça ait un nom que je connais pas, mais ça me donnerait. T'achètes à qui? Au monsieur, là, il est juste tout petit derrière le comptoir, c'est tout. On peut juger. Mais comme on peut, hein? Mais comme on peut. À moins qu'il y ait d'autres interactions à voir. Ah oui, voilà, là, il y a des balles de fusil, machin. Je vais regarder au cas où il n'y aurait pas un petit... quelqu'un, là. Bonjour. Je me permets de visiter. Voilà, j'ai visité. Très petit, monsieur. Bonne nuit, Vix. Est-ce que je me prends une arme aussi? Non, pas Denise. Denise, c'est une pêcheuse. C'est plus pour le côté chasse, si jamais. Ou même pour se défendre d'éventuelles bestioles, quoi. J'hésite un petit peu, quand même. Parce que, bon... Y a quand même beaucoup de bestioles éventuellement dangereuses, quoi. Près de l'eau, il peut y avoir des crocos et tout, donc on sait jamais. Carabine à petit gibier, peut-être? Moi, je ne sais pas. J'hésite un peu. Au cas où, quoi. Et j'en ai pris une. Il me faut des balles, du coup. Ah, je vais plus avoir deux sous, hein. Non, $2 de munitions. Voilà, j'en ai pris deux. Alors, j'ai pas trouvé, je demanderai. D'accord. Ok. Ok. Alors, on va tester ça. Marche pas. La touche page down, vous comprenez quoi, vous, comme touche? On est d'accord que c'est les touches au-dessus des flèches. Attendez, je regarde les bateaux parce qu'ils me font trop rire. Alors, ça marche pas. N'importe quoi. Papa, il naviguait pas comme ça, hein.
peut-être que j'interagisse quelque part alors. Parce que j'ai le menu job, mais... Mettre page down. Bonne nuit, Antémonia, bonne nuit. Je pense qu'on va se mettre quelque part et on va essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et puis, il faudra qu'on se trouve un cheval aussi, mais ce sera pas tout de suite. Hein. Quoique... On peut aller prospecter les chevaux. Hein. Parce que Denise, elle va pas aller s'attraper un cheval. On va aller en acheter. Donc on va peut-être voir un petit peu... les prix. Et puis il faut que je trouve un shérif aussi. Bonjour mademoiselle. Et pour causante. Bon, un petit coup. Tu vas avoir l'eau et la bouffe, ouais, voilà. Je peux remplir ma gourde. Et je remplis ma gourde, ça c'est important. Bah oui, je les ai vus sur d'autres lives. Alors je sais pas comment j'ai fait pour supprimer ça, mais ça m'embête. Alors, c'est par ici. Ils ont le moins précis celui-ci. Ok. Vérifier avant de traverser. Beau, bon, il est tout seul ce canasson. Il est tout perdu. Non. Peut-être par là alors. Ah oui. Bonjour, bonjour. Pas beaucoup de chevaux ici. J'ai peur qu'un cheval m'arrive sur la gueule. Non, faut que j'arrête de faire ça. Alors, on voit pas les prix, je vois pas les prix. Ils sont tous trop beaux en plus, regardez-moi ça. Oh là là, oh, quelle swag, regardez-moi cette belle bête. Le Belgian. Comme par hasard, je m'arrête sur le petit belge. Enfin, le grand plutôt. Voilà. Ah. $38. Pff, la vache. Moi je fais échappe pour revenir en arrière, mais c'est pas ça. Ok, on va regarder les premiers prix. Genre le American Paint. $20. 21. Ok. J'imagine qu'ils sont par ordre de prix. $24. Je sais même pas combien j'ai. On va pas prendre un cheval tout de suite, hein. Magnifier Farm. De toute façon, j'ai pas assez. Même si j'avais assez, ce serait un peu limite. Alors, on va pas faire le menuing ici. On va aller se mettre quelque part, se poser. Et on va aller voir pourquoi j'ai pas d'interface. Et voilà. Oh, attention à toi. Mais pas que de pâte. Moi, je te fais pas de mal, mon petit gars. Peut-être rester au bord de l'eau. Le réflexe, quoi.
pour le moins une armée. Ouais, j'avais vu ça dans les villes, souvent les chevaux s'excitent si on les attache pas. drôlement de fumée. Les chevaux premier prix, les chevaux Little. Ah, 20 dollars, hein, c'est pas premier prix, hein, 20 dolls. 20 dolls. C'est pas rien, hein. Comme ça, je vois un peu les maisons. Je pourrais avoir une maison ici. Après, franchement, une petite maison, une petite cueillette comme ça, moi, ça me va bien, hein, pour commencer. Alors imaginons, regarde un peu cette maison là. J'ai pour voir le menu, que faire? Acheter une maison pour 350 $, et quand même. Ça va tout de suite. Hein. Bon, ça va hein, 350, vous me direz. Mais vu la tronche, je pensais que ce serait un peu moins quoi. Non, mais ce que je souhaitais vous faire, je vais te quitter. Je m'éloigne un peu, mais en marchant, hein, parce que je suis pas le genre à courir partout, quoi. Bon, je voulais qu'elle soit un peu en chair. Bon, bah en vrai, elle a pas l'air très en chair. C'était pas facile de voir parce que à la création des personnages féminins. Savoir que les hommes, on les voit en caleçon et torse nu, voilà. Les femmes, c'est transparent au niveau des boobs, et c'est transparent tout au niveau des cuisses, du cul et de la taille. Donc en fait, on a un personnage en quelques parties, quoi. Si je me mets là, je serai un peu isolé. On va mettre un bon code pêche, ça. Comme ça, on va tester un petit peu des touches. Je serai un peu à l'écart de la vue, si je fais des trucs chelous, ça dérangera pas. Et puis bah, je vois ces magnifiques bateaux qui sont en file là, tiens. C'est trop drôle. Alors, paramètres. Commande. Clavier souris. Ouais, faudra que je vois ça. Comment faire pour améliorer... Les touches, ça va pas. Moi, il me dit que je suis en QWERTY, alors je suis pas en QWERTY, donc c'est un peu un sous. C'est pas mieux à la manette, non, parce qu'il y a plein de touches à faire, plein d'interactions et tout. C'est possible, mais c'est plus chiant, quoi. C'est pas grave. Ensuite, niveau interface. Hop. Qualité de... Ouais, d'accord. Non, mais tout ça, c'est pas bon. Oui, d'accord. Non. Murure de Saint-Denis est ouverte. Ok. Affichage. Plein de pardon, je fais des touches F quelque chose pour voir un petit peu ce que ça fait. 3, c'est menu perso. Art, peut-être que je peux afficher argent. J'ai combien? D'accord, je sais pas combien j'ai. C'est pas grave. Cheval, j'ai pas de cheval. Ok, ah merde, je suis tombé. Attends, relève-toi, Denise. Ok.
D'accord. Sacoche. Ah. Il me reste 1,32$. Il me reste rien du tout. J'ai 2 balles, j'ai des trucs et tout. Je vais manger un petit bout de pain. Je l'ai déposé par terre. J'apprends. Hein. Et je vais faire un AVC de Nice. C'est bien qu'on teste ça. Merde! Mais c'est que 3 et 4. 4 ça fait ça et 3 ça me permet. Lève-toi, Denise. Allez, Denise. Sacré Denise. Alors? Moi j'ai un poulet rôti. Un bandage. Utiliser. Utiliser du pain. Ah ça y est, regardez, on voit ma barre. Ah mais ça s'affiche pas tout le temps. Moi j'aimerais bien que ça s'affiche tout le temps. Ah ça va. 16 degrés, ça va, j'ai pas trop froid. Dernier petit bout de pain. J'aimerais bien que ça s'affiche tout le temps, mais en tout cas ça s'affiche quand je mange, pas quand je bois bizarrement. Ok. J'ai quoi d'autre dans ma sacoche? J'ai acheté un lasso. Utiliser. D'accord, ça marche comme ça. Puis je fais ça et ça. Ah c'est bon, il est dans ma roue. Ok, je vais faire pareil avec les autres trucs. C'était ça. Une petite gourdin. Elle est où ma canne à choper? Elle est là. Pêche en cours. Ah bah non, pas encore. Comment ça pêche en cours? J'ai pas d'appât. Oh les bateaux, ils font n'importe quoi. C'est ma boisson qui m'attend là depuis tout à l'heure. Salut Bloody. Bon. C'est un truc si je fais ça et ça. Non. C'est juste par exemple s'afficher tout le temps. Mais oui, pourquoi on s'est pas affiché tout le temps? Ah, y a du détail à régler, hein. C'est indéniable. Je regarde pendant qu'elle pêche parce que je peux pas arrêter l'action. J'y arrive pas en tout cas. Je regarde les autres touches. Pointer tu vois. Interaction avec l'environnement, c'est E. Appeler son cheval, c'est H. Mettre à couvert, c'est A. Lever les mains, c'est 2. Et après. Menu job, bon bah j'y arrive pas. J'ai trouvé un grand poisson sans appât. Bon du don. Mais ma canne à pêche, elle est pas là. C'est un peu chiant. C'est des raccourcis, mais je les maîtrise pas encore. Couteau. Visé. Voilà, j'ai un couteau à la main. Allez, Denise, elle pète un câble. Voilà, comme ça, moi, je les mets juste dans ma roue. Ah, c'est I. I, ça marche aussi. Ah, bon, regardez. Il y a un tilapia. Visé. Voilà, et encore une fois, c'est juste pour l'avoir dans mes raccourcis. Ah merde!
Non mais je veux pas. Ah, je veux pas qu'il soit dans mon dos. Ah. Oh mince, j'ai fait un truc, ça a tout figé. Vous voyez la map en énorme en plus. Oups. Oups. J'ai appuyé sur une touche. Et je peux plus rien faire. Attendez. Au secours. Il a pété le jeu, mais je peux pas savoir. Attends, je vais essayer de faire un ragdoll. Non. J'ai pas fait exprès. Je fais quoi, à votre avis? Je lance le jeu. Ah non, F8. Je crois que ça permet de recharger. Hein, ça arrive, voilà, ça arrive, c'est comme ça quoi. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je sais pas si je vais garder cette VOD pour le début. On gardera peut-être la prochaine. Au revoir, VOD.